Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur la CryEngine Sandbox 3. Donc la dernière fois j'ai fait un tuto sur je sais plus quoi. De toute façon c'est pas l'important, c'est sur l'important c'est sur ce tuto. Donc sur ce tuto je vais vous parler de l'optimisation et des IA sous CryEngine 3. Donc je vais commencer par les IA. Donc en fait si vous voulez, attendez juste deux secondes, voilà. Normalement il y a deux moyens de mettre des IA. Moi il y a un moyen qui bug et qui marche pas, mais enfin, regardez. Et vous avez un moyen, donc vous allez dans la database view. Moi, ça marche pas, je vous le dis, hein. Vous mettez add library, donc ici là. Vous prenez caractère, vous mettez OK. Et là, voilà. Et moi, il met un problème, une erreur. Il n'arrive pas à la mettre. D'ailleurs. Et voilà. Bon, s'il te plaît. Donc voilà, moi, il n'arrive pas à la mettre. Si ça vous fait le même problème, je sais pas du tout d'où ça vient, pourquoi ça fait ça, j'en sais rien. Bref. Si vous, ça vous fait le même problème, et ben vous aurez des options réduites, mais vous pouvez quand même en mettre des IA. Sinon, vous cliquez sur NTD, non pas sur IA là, vous cliquez sur NTD, vous cliquez sur IA le plus là, caractère, et là vous prenez human. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça c'est. Donc vous la disposez où vous voulez, voilà, comme un objet normal. Après, on peut éditer quand même quelques options depuis la roll-up bar. Donc, on peut éditer donc. Je sais pas ce que c'est, les ombres. Où est-ce qu'on met les ombres? Là-haut. C'est les ombres. Je sais pas, moi je joue pas d'ombre. Mettons là-haut. On peut toujours changer des options. Alors après on m'a dit comment mettre enfin sur la chaîne on m'a dit comment mettre une IA qui puisse nous buter. Alors oui, ce sera pas épique comme dans les jeux vidéo, ce sera pas une IA qui pourra bouger, hein. Celle-là bougera pas, hein, je vous le dis. Pour qu'elle puisse vous buter, c'est simple. Vous mettez votre IA et c'est tout en fait. De base, elle est déjà faite pour vous tuer, donc hop, vous mettez CTRL G. Et là, regardez. Ah, j'ai tué parce que sinon elle avait. Ah, j'ai un pote qui m'a. Ok, je suis avec un pote, bon, bref. Donc voilà, donc là l'IA vous a. Enfin, nous tire dessus. Et donc, après, si vous voulez mettre une IA alliée. Hey, wake up. Très m'énerve. Désolé, hein, mais. Allez, hop. J'espère qu'il va pas nous déranger plus que ça. Donc si après si vous voulez que votre IA soit alliée, vous mettez ici. Alors vous allez dans la Entity Property. Là où il y a marqué faction. Vous cliquez sur Grunt. Vous cliquez sur Grunt. Si vous voulez qu'elle soit neutre, j'ai envie de dire. Vous mettez civilian. Ça, je sais plus ce que ça sert. All style only with player. Je crois que ça. Je sais pas ce que c'est. Et si vous voulez qu'elle soit de votre côté, vous mettez player. Ouais, je vais mettre qu'elle soit de notre côté, voilà. Faction hostility, non. Bon, ça vous pouvez le laisser, je sais pas ce que ça sert. Après, vous pouvez. Tiens, bah tiens, je vais vous parler de ça aussi. Là, vous voyez au-dessus, équipement pack. Oui. Alors voilà, là, vous mettez. Si vous voulez qu'elle ait pas d'armes, vous mettez un petit. Normalement, ça devrait. Ok. Non, ça devrait marcher. Sinon, vous mettez add. Vous mettez, je sais pas, moi, par exemple. Hard. Ouais, c'est vrai que je passe en clavier américain. Donc là, ça rajoute tous les trucs là. Les équipements. Hop. Alors, si vous voulez par exemple que elle est par exemple je sais pas moi fusil d'assaut, toc vous cliquez là, là, alors, un fusil d'assaut avec silencieux, par exemple un lance-roquette, voilà donc première arme ce sera celle-là, après ce sera lance-roquette. Et on va lui mettre un pistolet. Par contre, le pistolet est hyper cheaté sur ce truc. Voilà, avec quelques grenades.
Alors, roquette, vous lui mettez deux roquettes par exemple. Rife Bullet, vous lui mettez 280, 280 balles. Bullet, pistolet incendiary, non. Pistolet Bullet 50, non, mais 60. MG, enfin, je prends le Tank 125, je sais pas ce que c'est ça. Explosive grenade, ça vous mettez deux. Smoke grenade, j'ai dit non, voilà. Donc, pistolet, ammo. Ammo. Et bottom, flashlight. Bon allez, mettons une flashlight. Non, on va pas mettre de flashlight. Bon, j'ai pas chelou aujourd'hui. Enfin voilà, et première, donc la première arme, ce sera le fusil d'assaut. Et après, il y aura toutes les autres dans l'ordre, comme ça. Ainsi de suite. Là, vous mettez OK, et là, normalement, elle a les armes que vous lui avez dit. Si je mets CTRL P, par exemple, je suis pas obligé de... Voilà. Alors, on peut voir qu'elle a le lance-roquette, comme on a dit, le fusil d'assaut et le pistolet ici. Le fusil d'assaut avec le silencieux, et le pistolet avec la lampe torche. Lance-roquette, il n'y avait pas d'accessoire. Et donc, voilà, donc là, vous pouvez éditer votre équipement comme ça. Après, si vous voulez vous en faire un, je sais plus dans quoi j'étais allé tout de suite. Bon, il y a une rubrique, normalement, il y a une rubrique qu'on peut trouver, je sais plus trop où là. Attendez. Ah, oh là 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 là. Bon, je sais plus. Vous trouvez la rubrique, hein. Tool, dans View. Fun View Pane. Je sais plus c'était quoi, c'est l'équipement éditeur, non? L'équipement pack. Oh, je sais plus du tout. Bon, je sais plus, vous trouvez. Attendez, Human. Attends, je vais vous dire quand même, parce que moi aussi j'ai envie de savoir. Vous allez dans l'équipement pack, mais ça se trouve où? Je comprends que vous aussi, vous pouvez vous en faire un vous-même. J'ai fait. Il est pas content. Équipement pack. Non, c'est dans View. View. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est dingue. View. Équipement pack. Je sais pas si vous voyez. Je suis peut-être con. Attends. Il y a que ça quand même. Alors P peut-être? Non. Bah je sais pas du tout où on va. On trouve ça. Ah je sais que je l'avais fait une fois. Ah c'est. C'est d'un côté c'est vrai que nous on peut s'en faire un nous-mêmes donc pour nous. Mais on peut s'en faire un pour nous et du coup c'est bien parce que voilà. Faire notre propre équipement en mode tranquille. Je sais pas du tout. Je vais faire une connerie. Bon, tout ça pour dire que je ne sais pas. Non, non, je sais pas. Enfin, bref, donc je pense que j'en ai fini pour les IA. Je vais voir s'il n'y a pas de dernières options qu'ils ne n'auraient pas exploré. Alors, Isabelle, il me semble que c'est par exemple quand par exemple si on appuie sur F, on dialogue et bref, on peut faire un genre de dialogue là automatique. Hein, c'est un truc préfet. Et après, du coup, ça nous permet de lancer une mission, enfin, en gros c'est un système pour faire une mission un peu un lancement de mission un peu cinématisé, je sais plus, bon bref oui bon après c'est des paramètres voilà. Ah oui donc ça en fait par exemple c'est je crois que c'est pour la perception, en gros c'est la détection, c'est quand elle vous détecte. En gros, si vous accroupissez, normalement vous faites moins de bruit, du coup elle vous détecte moins. Par exemple, Camo, si vous vous cachez dans la buisson, normalement on vous détecte moins. Enfin voilà, je crois que c'est ça, c'est un truc dans le genre. Attends, is affected by light. Ah ouais, ça c'est bien.
En gros, c'est quand, par exemple, si par exemple elle éclaire quelque chose, ou l'inverse, si elle est éclairée, je crois que c'est un des deux, et ben, par exemple, si elle éclaire un ennemi, bah, elle va le voir, et si elle éclaire pas, elle verra pas. Ou alors, c'est l'inverse, c'est l'ennemi, s'il éclaire, bon, bref, voilà, vous avez compris quoi. S'il éclaire, il verra l'IA, et s'il éclaire pas, il verra pas l'IA. Enfin, bref. Après, ça, c'est la précision. Et voilà. Voilà. Après, par exemple, si vous. Vous voulez faire après si vous voulez vous pouvez aussi faire des entre guillemets hein, des combats d'IA. Hop, vous mettez une IA, voilà, ok, voilà, elle commence à se combattre là, elle se tire dessus et tout, et voilà, l'IA celle-là là, voilà, elle a battu celle-là, du coup là elle est en mode combat, ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, faut que j'enlève ça. J'ai oublié d'enlever physique. Voilà. Après, pour l'optimisation, ça c'est simple. En fait, si vous voulez, quand vous faites des très 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 grandes maps, en fait, si vous voulez, ça a tendance à ramer parce que c'est trop grand. Il y a une distance d'affichage beaucoup trop haute. Et ça rame quoi. Donc, pour remédier à ça, voilà, par exemple, vous pouvez faire un genre de truc dans le genre. Imaginons qu'il y a 4 km de trucs derrière. Et bah vous mettez plein, enfin vous mettez pas mal de collines et tout, de montagnes, histoire que ça masque un peu l'horizon. Comme ça évite, comme ça, en fait, quand vous... Alors, regardez, là je regarde par là, mais ce qu'il y a derrière moi, là, c'est pas affiché en fait. Et c'est que quand je me tourne que l'ordi va le calculer. Il va calculer ce qu'il y a à droite, mais il va décalculer ce qu'il y a à gauche. Du coup, ça le fait moins ramer. Alors du coup, bah pour optimiser, bah vous pouvez vous faire ça vous-même. C'est-à-dire vous mettez des montagnes, comme ça, là, ce qu'il y a derrière la montagne, là, c'est décalculé en fait. L'ordi ne le génère pas, c'est pas affiché. C'est comme s'il y avait un gros trou derrière dans la map. Et ça permet d'optimiser en gros, de faire en sorte que ça rame moins. Donc si vous en mettez pas mal, des montagnes et tout, des trucs, des genres, des machins. Après vous pouvez faire des plaines par endroit, donc des grandes étendues d'herbes. Mais bon, bah voilà, c'est pas terrible niveau gameplay. Enfin, c'est un peu plat, c'est fat, il faut bien mettre des trucs. Des activités, disons, je sais pas, des animaux, quelque chose, enfin voilà. Et parce que oui, si vous savez pas, on peut mettre des animaux. Je vais revenir près de la lumière pour que vous voyez. Par exemple, vous allez dans toujours dans Entity, IA, et là vous pouvez voir. Non, vous ne pouvez pas voir. Vous allez dans Void, et là vous avez donc Bladegueule, Bird, Bug. Alors, Bladegueule, c'est un aigle, c'est des aigles, il me semble. Bird, c'est des oiseaux. Bug, c'est des papillons. Chicken, poulet. Fish, poisson. Frog, grenouille et turtle, tortue. Donc voilà. Les poissons par exemple. Toujours par exemple. Les poissons vous pouvez les mettre là. Et tu me fais chier un peu. Mais tu me... Bon, fiche, je viens de voir un fiche là. Et tout ça, on peut tous on peut les tuer les poissons. C'est un petit peu connard, mais bon. Alors, donc on peut tuer les poissons. Après, si vous voulez mettre, par exemple, ok. Par exemple, toujours, vous mettez brush. Mais dites tout montrer, donc je vous montre où. Electrical pole. Juste mettre une lampe. Non, attends, c'est plus dans light switch, non, option pas. Outdoor spotting off. Non, c'est pas ça. Non. Non plus. Pin light. Oh, oh, je savais pas que ça existait ça. Un sapin de Noël. Énorme.
C'est oh, c'est vraiment énorme. Je savais pas du tout que ça existait, absolument pas. Je vous avoue que je suis sur le cul. Oh non. Ça c'est énorme. Non. Oh, mais du coup, faut que j'en mette light. Light house. Non, ah là là. Je trouve pas la lumière. Light pole, non. Bah, attendez, je vais mettre Electrical Pole. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, non, ça c'est. Faudrait une. Peut-être dans misc. Ah, je sais ce que je vais prendre. Ah, attendez, attendez, attendez. C'est où le haut? Le haut. Ah, il est beaucoup trop. Non, il est pas trop gros. Là, là, voilà. Alors, vous pouvez faire ça. Tout ça, c'est de l'effet de là. Là. Voilà. Et là, vous allez dans NTD Light. Dégage. Light, c'est où Light? C'est là. Juste de réduire le champ d'éclairage. Non, peut-être l'agrandir quand même. Et là, j'ai vu ça dans The Cursed Forest, hein, je n'invente rien. Ne croyez pas que je vous ai fait un truc super génial de la mort là. Je n'ai rien inventé. Là vous allez dans un titi et là vous prenez les petits bugs. Ah, effectivement, ils sont pas trop éparpillés. Hein. Y a pas moyen de les rapprocher, genre en. J'essaie juste de faire un truc. Ah, vous pouvez mettre des papillons comme ça. Bah là, après, vous pouvez mettre des oiseaux. Des oiseaux. Bird. Alors, attends. Vous pouvez mettre des oiseaux, j'en mets d'autres. On peut encore mettre. Voilà, on peut mettre plein de choses. Ça reste des IA. Hein. Moi, je compte ça comme des IA parce que voilà, c'est pas quelque chose qui bouge. Non, après le reste, c'est pas très intéressant.
Voilà, on peut mettre ça par exemple. On peut les mettre là. Et voilà, tout ça pour dire que voilà, il y a pas mal d'options à gérer, je dirais. Et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez suivre d'autres tutos sous CryEngine 3. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes déjà 30 abonnés à ma chaîne. Donc, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Enfin, voilà quoi, je vous remercie. Et moi, je vous dis et bah, à la prochaine. Salut!